au départ, j'ai toujours l'impression que j'ai pas grand-chose à dire. Bon, voilà, ma création, ça reste dans l'art figuratif depuis le début. Et au départ, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait des études artistiques à Mons et à Bruxelles. Et après quelques événements qui m'ont touché très fort, j'ai commencé à travailler pour moi-même en tant qu'artiste. Et j'ai travaillé l'huile, la plume, le pastel, le fusain, plein de choses. Et puis décollage, et puis j'en suis arrivée au numérique que je vais présenter maintenant. Not a moment too soon. Not a moment too soon. J'ai dû prendre contact avec un ordinateur, avec des programmes, avec des... Oh, là, je m'y attendais, enfin, j'avais un peu de mal. Et puis après, ça s'est bien fait parce que j'avais envie d'arriver au bout pour continuer à faire ce que je voulais. Et c'est arrivé, j'ai travaillé beaucoup de collages. Et pour ces collages, je devais faire des photocopies couleurs. Et puis j'en avais marre de faire des photocopies couleurs, toujours courir d'un endroit à l'autre. Et j'ai pensé acheter une photocopieuse couleur. Et là, des amis m'ont dit, ah non, maintenant il y a l'ordinateur. Et bon, donc, comme je voulais arriver au bout de ma création, ben, j'ai travaillé l'ordi. It keeps you clean but unclear. Clean but unclear. Is the dirt that you're made of. Un peu depuis le début, oui, le corps humain. Au niveau esthétique ou au niveau humaniste, puis les plantes, ce que j'aime bien, les cieux, puis les cieux, oui, bon, pas un essieu de bagnole, mais bon, j'attends, je réfléchis, puis oui, je travaille aussi des dessins satiriques, qui sont aussi mes pensées, hein, voilà. Pour celui qui aime l'art figuratif, tout d'abord, et puis, je pense que dans mes travaux, il y a des pensées très ou très poétiques, très oniriques, mais très humaines, je crois. Bon. Alors, si on aime ça, qu'on vienne voir. Mais je dirais un peu comme Brassens. Si mes travaux plaisent, je les sors des cartons. S'ils plaisent pas, je les remets dans le carton et je retourne vivre tranquille, tu vois.